Bonjour et bienvenue dans TrackLab sur PlayStation VR. Alors c'est la première fois que j'essaie ce jeu. Il s'agit d'un jeu de rythme, de puzzle et de rythme en fait, dans lequel on va devoir résoudre un certain nombre de puzzles pour constituer nos pistes, qu'on va pouvoir mixer ensuite allègrement. Alors voici par exemple, je suis à la troisième piste puzzle épique. Voilà, alors on a ici des pistes, comme vous voyez. Il va donc falloir amener la musique à ces différentes sorties. Pour cela, eh bien, il va falloir qu'on regarde un petit peu. Voilà, ici, quand le rayon passe là-dedans, il se divise. Voilà, ce qui permet d'avoir un mouvement continu. Alors ici, il ne se passe rien. Si je mets ça, je ne peux pas. Ah, d'accord. Il va donc falloir le faire passer par où? Par ici. Ensuite par là. Est-ce que j'ai des pistes que je peux prendre? Bah j'ai que ça, mais je peux pas le mettre là du coup. Si je fais ça, il se passe quoi? Ça ne marche pas. Nous sommes d'accord, ça ne marche pas. Effectivement, je pourrais bien mettre là. Ok, ça s'est fermé. Et voilà. Jusqu'ici, c'est plutôt simple. Et ce puzzle, on va le mettre là. Pour mixer le son donc. Alors voyons ce puzzle numéro 4. Alors, je danse en même temps, hein, je suis désolé mais... Ça, ça, là. Tac, fermé, fermé. Il faut que ça ferme tout le monde en même temps, de fait. Ceci va dupliquer, alors... mettre là, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, comme ça, ça marche. Ok, parfait. Il me faut pareil au-dessus. Est-ce que je peux choper quelque chose ailleurs? Est-ce que je peux prendre ça? Oui. On va le mettre là, et ça, on va le mettre comme ça. Normalement, ça passe. Non, je l'ai mis. Et voilà, le puzzle est terminé. Alors, 4 sur 8. Les percussions. Alors... Attends, on regarde un petit peu ce qui se passe. Ceci duplique... Je ne peux donc pas mettre dans les bulles. Hein, donc, seul endroit où je peux mettre, c'est ici, par exemple. Si je fais ça, il se passe quoi? Par exemple, hein, je teste. Non, il se passe ça, mais bon. Hop, autre sens, autre sens. Voilà. Ah, ça marche. Par contre, il faut que j'ai un truc comme ça ici et un comme ça ici pour que ça marche. Il faut juste que j'intercepte ça là, en fait. On est d'accord. C'était bien ça. Je mets où mon puzzle? Ça, une question, mais... Attends. Eh, il me l'a flingué, en fait. Je l'ai mis en attente, mais c'est où l'attente? Je sais même pas ce que c'est, ça. Ah, chouette ambiance. Alors, ceci. Faut que j'arrive à choper là pour le renvoyer ici, en dessous. Pas que. Comme ça. Alors, il faut aussi que ça atteigne là-bas au-dessus. Donc là, j'ai un truc comme ça qui doit se mettre. Si je fais comme ça... Je réfléchis, hein. On va essayer. On va voir ce que ça donne. De fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'il faut que je l'envoie là, en fait. Ouais, sauf que ça, ça ne marche pas. Ça, je dois le mettre là.
Oui, ça marcherait si je faisais ça, mais ça ne marche pas. Il manque encore un truc à étoile là, ce truc là par exemple. Si je pouvais en choper un, ce serait bien. Il n'y a pas d'autre ailleurs. Alors peut-être que le truc c'est pas de mettre ça là, mais de mettre ça plutôt comme ça, ça comme ça. Ça. Non, marche pas. Ouais, j'oublie un truc, c'est quand il fait ça, il renvoie quand même un. Ça continue quand même tout droit. Donc ok. Ça faut enlever, ça faut mettre ça comme ça. Par contre, je peux mettre ça comme ceci et ça comme ceci, ça fonctionnerait. Et ça comme ça. Bingo! Dans mes trous, oui. Hein? Je sais pas, je mets en attente. Bon, je sais pas ce que ça signifie. Alors ça lie déjà deux choses que j'aime bien, c'est les puzzles et les jeux de rythme. Alors, là au-dessus. Ça on est d'accord, ça va se mettre plus ou moins comme ceci. Ça, ça me semble logique. Et voilà. Donc là, je suis quand même au niveau facile. Hein, on n'est pas. Niveau 8, donc. Voilà. J'imagine qu'après, ça présente sur plusieurs tableaux, en fait. Hein. Alors. La sortie, elle est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ou à coup ça ferme. Donc ça ne passe jamais ici, mais ça là ça fait quoi? Ça bloque. Je réfléchis. Alors, ça je peux pas bouger. Voilà, fallait juste le bloquer. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ouh. Tous les puzzles sont résolus. Super, je fais quoi? C'est tout. Je peux même pas profiter de ma musique. Donc voilà, j'ai fait ici, au niveau facile, épique. Je vais essayer de faire maintenant dynamique, voir un peu ce que ça donne. Viseur optique simple ou double. Ok. Ils sont mes diviseurs. Lui, donc je peux le déplacer si je comprends rien. Un coup ça envoie au-dessus, un coup ça envoie en dessous. On est d'accord. Facile, relativement simple au début. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, j'imagine. Voilà, tout va bien. Pas le prendre, pas le prendre. Alors faut que je fasse ceci pour le dupliquer, voilà, facile, voilà, parfait.
Très bien. Alors celui-là il m'embête. Ça fait quoi ça? Ah, ça le renvoie, d'accord. Et l'autre il est où? Est-ce que j'en ai un deuxième? Voilà, parfait. Ah, des voix on dirait. Alors, faut que ça tombe dedans. Ça, ça fait que le renvoyer. On va le mettre là. Enfin, je crois. Envoyer là, là et là. Ouais, c'est ça. Tac, 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 renvoie. Et ça, on renvoie et tac, tac, tac. Voilà. Alors, on réfléchit. Je vois que ça, hein. C'est un peu bizarre, mais bon. Voilà, c'est tout. Étrangement simple, celui-là. Dernier puzzle de cette vidéo. On fera un truc calme après, plutôt. Alors, ça, ce sont les pièces que je peux prendre. Et je vais les envoyer où? Vraiment, ce serait bien que ça remonte en fait. Ouais. Si je mets ça là, ça fait quoi? C'est une question, hein, je me pose. Parce que du coup, ça passe pas là. Faut que ça passe par là ou faut que ça passe par là? Je peux pas enlever ça? Ah bah si, je peux faire ça. Ça va alors, ça va, ça va, ça va, ça va. Puisque je peux faire ça, tout va bien. Hop. Et hop. Et c'est comme ça. Voilà. J'ai tapé ici, je sais même pas à quoi ça sert. Bien sûr, le niveau facile, et de fait, c'est très facile. On va essayer le calme un petit peu, voir ce que ça donne. Utilisant les optiques. Ok. Voilà, je pense que c'est le premier niveau, donc ça doit pas être très compliqué. Faire ça. Parti. Ouais, donc ça c'est vraiment le premier niveau. En fait, j'ai commencé par le dernier tout à l'heure. Oui, la petite rien. Alors, il faut ça, si simplement mettre ça là et une ça là, quoi. C'est tout. J'aurais pas dû commencer par le dernier niveau, en fait. Je vais peut-être faire l'exotique 2 après, enfin l'épique 2. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs. On va faire l'épique 2 plutôt. Ça va avoir un peu de challenge. Mode évolution, il y a mode évolution et mode création. Bon, je suis pas assez bon pour faire de la création. Mais l'évolution, on va prendre le moyen épique. Voilà, tac. Déjà plus complexe. Alors, j'ai ces deux petits machins là. Il faut que j'aille jusque là-bas. Mais ce truc là se ferme. Pourquoi lui il ne génère rien? Faut que je mette ça là, ok. Et que je mette celui-là là, du coup. Voyons ça. Bingo. Mmh.
Voyons, voyons. Alors, mes sorties, elles sont là. Il faut que je puisse donc passer. Et je n'ai à ma disposition que quoi? Que ces deux machins-là. Alors lui, par contre, normalement, il est censé renvoyer, non? Je teste, hein. Bingo. Voilà. Bon, c'est pas encore hyper compliqué à ce niveau-là. Non, viens là, toi. Là. Voilà. C'est un peu dommage que du coup le décor ne change pas par rapport à entre les puzzles. Alors. Ouh, rapide. Et j'ai ça qui est censé simplement accélérer les trucs, c'est ça? C'est pas en fait. Ah si, je vais accélérer en fait. Voilà, c'est ça. J'ai le premier qui était en train de le ralentir et l'autre que je devais pour accélérer. Alors. Ouais, oh là, j'ai plein de pièces, c'est cool. Oh, j'ai vraiment beaucoup de pièces. Mon entrée est là, ma sortie est là. Ouais, bon, on va continuer. On va commencer comme ceci. Non, je suis con, comme ça. Ok, on va suivre doucement le chemin. J'ai l'impression qu'il faut que j'en mette un là, je sais pas pourquoi. Si ça survit, j'ai l'impression que ça monte jusque là en fait. Si, si, ok. Alors ma sortie est donc là-bas, il faut que je continue ici. Tac. Tac, ça va continuer par là. Faut que ça remonte ici. Je pense. Faut que ça remonte ensuite là-bas. Faut que ça redescende. On va voir déjà si ça suit. Hein. J'ai recentré un peu mon écran, désolé. Tac, 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 ok. Tac. Alors si ça c'est pas bien compliqué, c'est juste des dominos à placer. Dans le bon sens. Tac. On va voir si ça va jusque là. A priori, il n'y a pas de souci, hein. Ça devrait aller jusque là sans problème. Ok, alors. Tac. Ouf, il m'en reste. Je pensais que j'en avais plus sous la main. Parce que là, c'est... Enfin, y a qu'un seul chemin, donc c'est un peu pas compliqué, quoi. Plus qu'à attendre. Et après ce puzzle, je vous laisse. Vous avez vu un petit peu quel était le but du jeu. 4, très bien. C'est rapide. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai mes petites pièces qui sont là, j'en ai que 3. Donc là, clairement, ça n'envoie plus rien. Mes sorties, elles sont... Ma sortie, elle est là. Donc je l'ai envoyée par ici. Par là. Ah non, c'est pas comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Je ne vois que ça. Voilà, bingo. Alors, on a quoi ici? On a un truc qui change de sens, on a un truc qui renvoie, on a un truc qui accélère, on a un truc qui dédouble. Donc lui, il renvoie à gauche et à droite. Faut que je réfléchisse. Faut que j'arrive à dédoubler le signal à un endroit donné. Genre là. Même si ça me semble un peu bizarre. J'ai
tester un truc, hein, j'essaye. Si je fais ça, ça marche. Ça ne marche pas. De toute façon, ça ne pouvait pas marcher. Ça, je suis sûr que ça va plus ou moins là, à mon avis. Je vais faire ça, voir un petit peu dans ce sens si ça marche. Ça passe, mais c'est pas correct en même temps. D'ailleurs, j'arrive à choper là-bas au-dessus, c'est assez compliqué. Puis je peux pas retirer celui-là. Ah bah non, faut que j'arrive à... Je suis bête, faut que j'arrive à le renvoyer en fait. Je fasse ça. Ne trompe pas. Voilà, sauf que ça marche pas en fait. Et si je déplace un truc, maintenant il va... Voilà. Réactiver. C'est pas ça. Ça marche pas. Ça, je pense que c'est bon. C'est ça qui déconne. Voilà. C'est plus compliqué. Mais là. Alors juste deux machins. Et ma sortie est là. Tac, non, ça marche pas. Je pense qu'il faut que j'arrive à le renvoyer en haut. J'ai que ça comme pièce, hein, j'en ai pas d'autres. Je n'ai que celle-là et celle-là. Ah, j'ai celle-là aussi. Je vais l'envoyer par l'antenne. Il faut au moins que je fasse ça. Et ça. Ça, c'est obligatoire. Par contre, ceci... Eh, je peux pas la prendre, merde. Ah, ouais, merde. Je peux y passer le truc ou pas? Non, je peux rien faire, en fait. Tout est bloqué. Je pensais que je pouvais prendre celle-là aussi, mais non. Voilà, renvoyer par là. Pas tourner. Oh. Ah, désolé, je réfléchis, hein. De toute façon que je la renvoie là comme ça, ça c'est obligatoire. Faut que j'arrive à faire passer par là. Comme ça, ouais comme ça. Bah non. Je suis une conque, alors. Ah, attendez, celle-là ça me perturbe qu'elle ne serve à rien. D'accord que celle-là et celle-là sont en place. Enfin, je vais quand même servir de ceci. Je vais le renvoyer là, mais ce con truc ne bouge pas. Je teste un truc.
qui ne sert à rien. Tac. Contre le mur. Si je fais bondir là, il va partir là, ça ne sert à rien. Ah, je pouvais... Ah, un truc de plus, quoi. J'essaye. Je ne trouve pas, je suis forcé de mettre celui-là, c'est pas possible autrement. Il faut juste atteindre cet endroit-là, il faut juste faire rebondir ici. Je peux rien bouger par contre. À quoi ça? Comment je peux envoyer là sans pouvoir bouger ça? Je n'y arrive pas, aidez-moi. Pas bouger ça non plus. Ça, je ne peux pas bouger. Pas rien bouger, tout est bloqué dedans, bordel. Là, il va envoyer là. À part comme ça, je vois pas ce que je peux faire. Ça va juste m'envoyer là, c'est tout, c'est pas intéressant. Deux tuiles, j'ai que deux tuiles. L'envoyer là sans problème, il va juste me renvoyer comme ça. Comment je peux le but, c'est de l'envoyer là-bas au-dessus. Je suis obligé de faire un truc comme ça. Donc ça marche pas. C'est quand même au cas où, mais bon. Perturbé par ce truc-là aussi qui n'a pas sa place. Non. Presque. Par contre, je donnais deux là pour qu'elle rebondisse, donc je fais comment? Je fais ça. C'était tout con. Tout con, bordel. Dernier puzzle. Il y a des trucs de vitesse à mettre, donc. Genre ça. Alors, ensuite...
ça s'active. Alors, je vais prendre ça, je peux pas le prendre non plus. Là. Ah, j'ai réfléchi, une seconde, j'ai réfléchi. C'est pas con ça. Ok, ça a marché. Plus que ça, hein. Eh bien non, ça ne marche pas, donc. Non plus. On est d'accord que ça soit peut-être faire ça alors. Ça marche. Ça marche. Alors j'attire ça et je fais ça. Ouais, ça marche aussi. Tac. Tac. C'est ça qui se met en place après. J'en place, il se remet en place. Zut. Ça. Non plus, c'était pas sans ça que j'avais mis. Berdel. Ah, il ne sert à rien celui-là. Qu'est-ce que je peux en faire de lui? Ah, ça marche, mais c'est pas comme ça que ça va marcher. Ça peut marcher comme ça aussi, hein, d'accord? Ça fonctionne. Marche, marche, marche. C'est ça qui marche pas. Rien à perdre. On marche pas, on est d'accord. C'est logique que ça ne fonctionne pas non plus. Non, on est d'accord, ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment celui-là.
Ou alors ça. Yay! Enfin, j'étais trompé au début en fait. Et voilà. Tous les puzzles. Et voilà, donc c'était Tracklab sur PlayStation VR. Et honnêtement, c'est cool, en fait. Bon, je vais peut-être pas commencer niveau difficile maintenant, parce qu'il me semble quand même pas mal. Mais ça, c'est une montre tous les optiques qu'on peut utiliser. Honnêtement, moi je vais continuer. Et je vous souhaite une bien bonne après-midi à tout le monde. Salut!